Avec une superficie d'1 241 238 km², le Mali ne bénéficie pas suffisamment d'infrastructures routières pouvant permettre aux populations de se déplacer aisément d'un bout à l'autre du pays. C'est fort de ce constat que le gouvernement d'Ibrahim Boubacar Keïta a entrepris de désenclaver l'intérieur du pays, ce à travers 5 projets routiers prioritaires couvrant les régions de Koulikoro, Ségou, Kaye et Sikasso, pour un montant global de 123 milliards de francs CFA, entièrement financé par le budget de l'État. Ce vaste programme présidentiel qui s'étale sur 2 ans devrait à terme bitumer plus de 280 km de routes prioritaires. Ces 5 projets routiers sont la preuve éloquente de la poursuite du processus de désenclavement et de développement des infrastructures routières. Ils sont partie intégrante des projets routiers prioritaires qui s'inscrivent en droite ligne de la mise en œuvre du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable du Mali, CRED, la grande offensive présidentielle pour les infrastructures et le plan d'action 2015-2019. Ces 5 projets de bitumage permettront aux populations de ces régions agricoles d'écouler leurs produits. Elles se réjouissent de ce geste qui réduira leurs souffrances. La route, c'est le développement. Pour cette route-là, il y avait beaucoup de promesses. Et je crois que cette fois-ci, la promesse a été tenue par le président de la République. C'est une très bonne nouvelle que cette initiative ait abouti et nous en sommes très contents. La commune de Safo constitue le grenier du Mali en matière de production de la patate douce. La construction de la route réduira le coût du transport. Kangaba, Dulafundo, frontière guinéenne ou Kaï Sadiola, Kenyeba, le gouvernement met l'accent sur les routes stratégiques dans le développement économique du Mali. Les entreprises ont au maximum 24 mois pour bitumer 280 km de route. Par ailleurs, la récente visite du président Ibrahim Boubacar Keïta en Arabie Saoudite a été l'occasion d'obtenir le financement de l'axe Douentza-Gao long de 300 km.